Et bienvenue à tous sur la chaîne Neo Retro Gaming et sur ce pilote que je vais donc vous proposer et dans lequel justement j'ai à vous proposer trois configurations pour vous faire un petit PC gamer avec du matériel d'ancienne génération mais qui encore aujourd'hui pourra faire l'affaire, ce qui vous permettra de faire une pierre deux coups, de payer moins cher les composants, de participer au recyclage quelque part, de faire du neuf avec du vieux, et aussi, par la même occasion, donc, de vous faire la main. Pourquoi pas? Parce que justement, c'est beaucoup plus, enfin, c'est moins risqué quelque part de se faire la main sur du matériel peu onéreux que sur du matériel dernière génération qui vaut au minimum 500 euros pièce à chaque fois, le CPU, la carte mère, etc. Enfin, voilà, c'est des prix bien loin de tout ça que j'ai à vous proposer. Hein, justement, les CPU que j'ai à vous proposer peuvent se trouver de 5 à 15 euros et de 30 à 50 euros pour les plus chers. Et c'est pas pour autant que ce sont des CPU achetés à la poubelle. Bien au contraire, ils font encore largement l'affaire pour certaines utilisations. Parce que dans le domaine de l'informatique, c'est un peu compliqué. Car, bon, par exemple, je vais faire les choses simples. Mais au niveau des CPU, la vraie différence se fait d'une génération à l'autre, et non forcément d'une série à l'autre. Contrairement aux GPU, c'est-à-dire aux cartes graphiques, qui d'une série à l'autre peuvent être parfois le jour et la nuit, et d'une génération à l'autre, parfois il y a quasiment peu de différence. Donc je vais donner deux exemples. C'est-à-dire, au niveau, par exemple, de chez Intel et les CPU, le i7 des sockets LGA 1156 équivaut au i5 de la génération suivante, c'est-à-dire du socket LGA 1155. Il y a un petit cran de décalage. Ce qui fait que là, d'une génération à l'autre, il y a quand même un certain gain de performance. Cependant, au niveau des séries en elles-mêmes, c'est-à-dire de i7 860 au i7 870 par exemple, au i5 750 à 760, ou encore du i3 3240 ou i3 3250, enfin, que je ne vais pas les faire, d'une série à l'autre, vous avez bien compris ce que je veux dire, mais de la même génération, là il n'y a quasiment pas de différence. Contrairement aux GPU, donc, qui eux, d'une série à l'autre, ont une différence assez importante. Par exemple, la 950 est beaucoup moins puissante que la 960, pareil pour la 1050 et la 1060, etc. Ou même la 1060 et la 1070, il y a toujours au moins 20-30% de différence en termes de performance. Et pourtant, c'est la même série. Et ce qui fait que parfois, d'une génération à l'autre, il peut y avoir une différence vraiment minime, même quasiment des cartes graphiques ancienne génération plus puissantes que celles de la nouvelle génération. Je vais m'expliquer. Par exemple, on était dans les 960, bon, on va y rester. Eh bien, la 760, par exemple, est plus puissante qu'une 950. Et quasiment à égalité avec une 1050. Pourtant, c'est une 760, hein, qui date de plusieurs générations avant. Et c'est parce que c'est pour ça, hein, comme je vous ai dit, même aussi dans une autre vidéo, la 1060 équivaut aujourd'hui encore à la 1650 au minimum. Elle est même plus puissante que la 1650. La 1060 pourtant. Et qui est plus vieille. Mais vu que c'est une série 60 et l'autre c'est une série 50, une série 50, même s'ils ne sont pas de la même génération, les séries 60 sont souvent encore largement potables. Enfin, tout dépend, après, c'est relatif. Et je vois que j'ai oublié de mettre lecture sur mon lecteur vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai directement mis mon navigateur internet en prenant des benchmarks ici ou là qui pouvaient plus ou moins correspondre à ce que j'avais à vous présenter. Et donc là, bon, ce petit préambule pour vous expliquer le pourquoi du comment, c'est pour vous faire comprendre que c'est bien quand même de s'y connaître un petit peu pour pas se faire avoir, d'acheter des trucs en croyant que c'est bien, ce qui est neuf n'est pas forcément mieux, hein, pour faire simple. Et donc c'est pour ça que je fais une sorte d'ingénierie quelque part en termes de pour monter un PC, quoi. Car moi-même j'ai eu à le faire sur commande
J'ai déjà monté plusieurs PC, je suis encore en train d'en monter un autre. Et donc tout ce que je vous propose là, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées. À vrai dire, dans toute cette sélection, il n'y a qu'une seule carte graphique que je n'ai pas eu en main. Mais sinon, tout le reste, je l'ai eu en main, je l'ai monté, je l'ai testé. J'ai pu voir ce que ça valait vraiment. Et donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment tout en considération. Du prix, évidemment. De la consommation aussi électrique, parce que ça a son importance dans la facture à la fin du mois, et même en termes de savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme alimentation pour notre PC, etc. Et donc moins ça consomme, mieux c'est dans tous les cas. Puis un petit peu tout, quoi, l'évolutivité par exemple, hein, savoir que j'essaie de sélectionner des sockets qui nous permettent de faire une évolution, c'est-à-dire de commencer avec un CPU pour dépanner quelque part, parce que vous n'avez pas tout de suite beaucoup d'argent à investir dans votre PC, mais vous voulez quand même avoir un petit PC sous la main qui fonctionne. Et donc vous pouvez commencer à y foutre un petit CPU et un petit GPU, c'est-à-dire un petit processeur, une petite carte graphique pour les débuts, pour ensuite y mettre un truc un peu plus costaud par la suite. Et à ce moment-là, entre-temps, vous revendez ce que vous avez précédemment acheté, histoire d'amortir encore un peu plus votre achat. Et donc j'ai pris en fait plus ou moins tout ça en considération pour proposer des choses intéressantes. Et donc j'ai trois alternatives. La première, c'est une sorte d'entrée de gamme. La seconde, c'est une sorte de milieu de gamme. Et la dernière, c'est une sorte de haut de gamme. Évidemment, ça sera décalé, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce. C'est-à-dire que le haut de gamme que moi je vais vous proposer équivaut à une moyenne gamme qu'on trouve dans le commerce au jour d'aujourd'hui. Sauf qu'après, bon, le prix est aussi à prendre en considération, puisque justement, moi je vais vous proposer un pseudo moyen, enfin un moyenne gamme, on va dire, de jour d'aujourd'hui, pour à peine 300 euros, alors que pour avoir l'équivalent en magasin, il faudra compter au moins 700 euros. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a plusieurs raisons à ça, au niveau de la vidéo, le pourquoi du comment. C'est pour recycler, pour vous aider un peu à comprendre comment ça se passe et puis vous inciter à vous y essayer. Parce que voilà, comme je vous ai dit, on peut se faire la main sur du matériel d'occasion quelque part qui ne vaut plus trop grand-chose. C'est quand même moins risqué, moins, voilà, on prend moins de risques tout simplement avec du matériel qui sort d'usine tout neuf et qu'on a payé plein pot. Et ce qui fait que voilà, un petit peu tout ça mélangé donne cette vidéo qui, j'espère, va pas être indigeste. De toute façon, je vais m'organiser au mieux. J'ai mis à droite, comme vous pouvez voir, tout ce que j'avais proposé et j'ai classé par socket pour justement proposer une évolution pour chacun d'entre eux. Mais en plus de ça, je vous ai préparé aussi des cartes graphiques et là, c'est par catégorie. Entrée de gamme, moyenne de gamme, puis haut de gamme, encore une fois, selon mes propositions, hein, parce qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré, au mot pour mot. Comme je vous ai dit, le haut de gamme que moi je vous propose équivaut à un moyenne de gamme dans le commerce. On est loin d'un processeur à 500 euros, 1000 euros, que je n'ai aucunement l'intention de vous proposer ce genre de choses, parce que comme vous pouvez le voir, les processeurs les plus chers que j'ai à vous présenter, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est maximum 50 euros. Et encore, c'est vraiment au plein pot, parce que j'ai pris une fourchette. Les prix dans auxquels on peut les trouver. Mais je vous invite toujours à essayer de les avoir le moins cher possible, en tout cas essayer de faire des affaires dans les déstockages et autres, d'éviter par exemple déjà d'acheter des trucs qui proviennent de l'ONCU, et il vaut mieux prendre d'acheter des déstockages, des particuliers, enfin, vous voyez là où je veux en venir, j'imagine. Faut se méfier de ce qu'on peut trouver parce que parfois il y a des contrefaçons sur internet, mais bon, après là je suis pas là pour faire de la prévention là-dessus. J'imagine que vous êtes un minimum informé pour savoir que voilà, que c'est trop beau, vaut mieux éviter. Et que la seule visuellement, quand on vous vend un CPU et ou une carte graphique qui date d'il y a 5 ou 10 ans et qu'on vous la présente comme s'il était neuf, genre avec une belle mise en page, une photo, tout avec écrit les caractéristiques, tout ça, machin, etc. Ben en fait, à la fin du compte, c'est plus inquiétant. Enfin, faut vous dire que c'est plus étrange. Enfin, c'est que c'est étrange tout court, car c'est pas forcément une façon de faire qu'on vend du matériel d'occasion. Vaut mieux donc préconiser, enfin, privilégier plutôt le type comme vous et moi qui va prendre son CPU ou sa carte graphique et qui va la mettre sur son bureau ou ce que vous voulez et qui va prendre une photo. Vous voyez que c'est voilà, c'est la photo, elle est là, vous la voyez, c'est un CPU, il vous montre. Mais c'est la mise en page, quelque part, la façon de faire, peut vous alerter
sur le fait que ce soit une arnaque ou non, et aussi le prix. Quand c'est trop beau, il faut mieux se méfier. Hein. Quand vous tombez sur des i7, je ne sais pas combien, à 20 euros, c'est un peu suspicieux. Bon, après, c'est relatif, évidemment, il peut y avoir des baisses locales, etc., comme je vous ai dit. Mais on n'est pas là pour parler des prix du business. Je vous ai juste préféré vous donner quelques petits conseils là-dessus. Mais on va commencer donc par la première configuration, configuration entrée de gamme, qui, comme vous voyez, peut faire tourner GTA 5, là, actuellement. C'est ce que justement, c'est pour cette carte graphique qui est la GTX 460, dont je vais vous proposer. Et celle-ci, vous pouvez la cumuler donc, sur un socket, enfin, sur, avec un Intel i3 540 ou 550 avec, sur le socket 1156. Je vais y arriver, désolé, parce que je me perds un petit peu dans les références là. Ou alors vous pouvez vous aller du côté de chez AMD avec l'AM2+ et un Athlon x2 250. C'est plus ou moins le même prix. Le Athlon x2 250 est. Ouais, c'est plus ou moins le même prix. J'ai mis 10-20 euros pour le Athlon x2 250 et 5-15 euros pour le i3 540-550. Je crois que le i3 se trouve moins cher, il me semble. C'est pour ça que j'ai mis 5-15 euros. Vous le trouvez vraiment un trois fois rien, de toute façon, l'un comme l'autre. Donc après, à vous de voir, si vous voulez commencer Pro AMD ou Pro Intel, peu importe. Mais là, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez vraiment un truc évolutif, il vaut mieux opter pour le LGA 1156. Mais si vous voulez quelque chose, c'est kiff avec le LGA 1155 de chez Intel également, en termes d'évolution. Mais par contre, je n'ai pas proposé encore le i7 du côté de chez du LGA 1155, parce que pour le moment le prix n'est pas encore assez intéressant. Donc si vous voulez vraiment un truc qui soit qui puisse être upgradable tout de suite maintenant, sans forcément attendre un an ou deux, eh bien oui, il vaut mieux s'orienter sur le 1156. Mais si vous n'êtes pas trop patient et que vous voulez un truc évolutif également, mais voilà, que vous n'êtes pas forcément dans l'immédiat, et bien vous pouvez opter pour le 1155. Après, si vous voulez quelque chose tout de suite maintenant, de pas trop cher, et qui fait encore le taf, bah, du côté de chez AM2+, enfin AM2+, c'est bien ça, de chez AMD, ça peut le faire aussi. Là, j'ai très mal expliqué en fait ce que j'essaie de vous faire dire, de faire comprendre, pardon, j'espère que vous voyez un petit peu là où je vais en venir, parce que sinon je vais bafouiller et m'y perdre. Donc je vais continuer. Pour l'entrée de gamme là donc, hein, avec le i3 540 ou 550 de chez Intel bien sûr, et du LGA, enfin du socket 1156, ou encore avec le AM2+ de chez AMD et son Athlon x2 250. Vous mettez cette GTX 460 et ça sera quelque chose déjà de très équilibré. Et la GTX 460 peut se trouver à une petite vingtaine d'euros, ça coûte rien. Il y a deux versions, une version 700 et quelques mots, une version 1 giga et mots. Bon, peu importe, prenez elle que vous trouverez la moins chère, parce qu'il y a très peu de différence au niveau de la RAM. Petit rappel, la RAM c'est surtout pour l'anti-aliasing et pour le fait de pouvoir mettre les textures en HD. Mais de toute façon, avec ces 300 et quelques mots en plus, ça va pas changer grand chose, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, si vous pouvez avoir la 1 giga à la place de la 700 et quelques mots, c'est toujours mieux. Mais voilà, ceci étant dit, on peut continuer. C'était sur l'entrée de gamme, donc avec le i3 545-550 et donc la GTX 460, parce que voilà, et à ça cumulé, vous pouvez mettre 2 x 2 gigas, ce qui vous en fait 4, ce qui est quand même encore assez, voilà, ça peut suffire pour y jouer de temps en temps. Comme je vous dis, là c'est l'entrée de gamme, quoi, c'est vraiment plus un PC multimédia bureautique, mais qui peut quand même jouer avec une 460 aujourd'hui. Même avec 4 gigas de RAM, il veut encore jouer, bah, très bien avec GTA par exemple, d'autres jeux sans trop de soucis. Hein. Bien sûr, on ne pourrait pas mettre les textures en ultra, mais on pourrait au moins les mettre en low, sans voilà, jouer à quasiment tous les jeux, même les jeux encore d'actualité, quoi, et qui sortiront même à l'avenir. Mais bon, après, voilà, il ne faudra pas non plus attendre un truc de malade. Ce sera vraiment juste la limite. Par exemple, Red Dead Redemption 2, si vous pouvez y jouer, ça sera en 720p, voire même inférieur, je ne sais pas. En tout cas, ça sera pas en 60 fps, c'est sûr. Et en 1080p, ça sera très dur, parce que avec 700 mm, vous allez galérer. Mais je pense que vous pouvez au moins le faire tourner. Et donc, oui, pour la Intel LGA 1155, la carte mère en elle-même ne coûte pas très cher.
c'est entre 30 et 50 euros. Et donc, comme je vous ai dit brièvement tout à l'heure, hein, je vous conseille les déstockages, de prendre des cartes mères Intel, HP, etc., faites pour à la base pour la bureautique, plutôt que de prendre des cartes mères, dans le pire des cas, no name, présentées comme neuves, mais qui sont ni faites par Gigabit, ni par Asus, mais en fait, sont faites par on ne sait qui, et puis qui ont une qualité douteuse. Et ça, c'est vraiment le pire des cas, n'y allez surtout pas. Et je vous déconseille aussi de prendre des trucs gaming vendus trois fois ce que ça vaut. Parce que bon, une carte mère, franchement, en mode bureautique, ça peut faire largement l'affaire pour se faire un petit PC gaming d'aujourd'hui. En plus, c'est du costaud, c'est du HP ou encore du Intel, etc. Et ça va coûter, allez, une trentaine d'euros, même moins, hein, là, pour vendre. Moi, j'en ai trouvé une socket AM2 il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé à 20 euros. Donc, pour dire. Mais bon, je préférais, comme je vous ai dit, j'ai pris des fourchettes larges pour toujours voilà, dans les environs dans lesquels on les trouve. Et donc, les LGA 1156, les environs, ce sont entre 30 et 50 euros pour avoir quelque chose de correct, de bien. Et donc, avec un petit processeur à 5-15 euros, vous voyez, c'est pas bien cher pour commencer et se faire son petit PC d'entrée de gamme afin de le faire évoluer par la suite. Et donc ça, avec ça, 2 giga, ça suffit largement. Je vous préconise, enfin je vous conseille de prendre, pareil, d'éviter le no-name et de prendre quand même les low profiles, c'est-à-dire celles qui sont revêtues d'aluminium, mais ouais, au minimum, pas celles qui sont imposantes, trop grandes en fait, qui sont trop hautes, parce que ça va vous gêner après dans le placement de votre ventilateur au niveau des CPU. Il faut prendre les low profiles en ce qui concerne les barrettes de mémoire, hein, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner sur cette dernière. Évitez bien évidemment le no-name. Et après, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est le dual channel. Il faut savoir qu'il faut, en fait, c'est simple. Il faut, si vous avez deux slots de barrettes de mémoire, bon, ils seront tous les deux noirs normalement. Mais si vous avez quatre slots, par exemple, de barrettes de mémoire, vous aurez deux noirs et deux blancs, ou deux noirs et deux bleus. Et ça, c'est pour ces indiquer le dual channel justement. Vous pouvez faire un double dual channel quand vous avez 4 slots. Donc pour cela, il vous faut mettre deux barrettes identiques, entre guillemets, dans les couleurs correspondantes. C'est-à-dire que voilà, vous prenez deux fois la même barrette pour les slots noirs et deux fois la même barrette pour les slots blancs. Mais c'est oui et non. Même barrette, oui et non. Parce qu'on a tendance à croire que c'est la même identique, la même marque, le même fabricant, le même truc. Mais ce qui est important surtout, c'est la capacité avant tout. C'est-à-dire, si vous voulez faire un dual channel efficace, ce qu'il vous faut avant tout, c'est d'avoir pour chaque canal, d'avoir deux fois deux barrettes qui ont les deux mêmes capacités. Deux fois 4 gigas par exemple d'un côté, et après de l'autre côté, vous pouvez avoir deux fois 8 gigas si vous voulez, ou deux fois 2 gigas. Peu importe. Tant que ce sont mis en adéquation avec que ce soit les deux mêmes dans les channels correspondants, c'est tout. C'est ça la priorité. Après, peu importe si ce sont les mêmes constructeurs ou non, le même modèle ou non, ou même la même fréquence ou non. Peu importe, le PC trouvera moyen de mettre tout le monde au même niveau. Au niveau de la fréquence, tout ça, etc. Donc ça, c'est secondaire. Ce qui est vraiment prioritaire et ce qui fait que le double channel soit efficace ou non, c'est la capacité de la barrette mémoire. Voilà. Ceci étant dit, je continue et on va poursuivre avec directement sur le moyenne gamme que j'ai à vous proposer. Et cette fois-ci, il s'agit d'un i5 760 ou 750 ou encore d'un i3 3240 ou 3250 ou bien encore d'un Phénon x4 955 Black Edition ou x4 950. Enfin bref, dans les environs, comme j'ai dit, il n'y a pas trop de différence pour les CPU d'une série à une autre, c'est surtout d'une génération à une autre qu'il y a la différence qui se fait sentir. Donc vous pouvez prendre le 950 ou le 955, peu importe, il n'y a quasiment pas de différence. Pareil pour le i5 750 et 760, ou le i3 3240 et 3250. Donc le i5 750 et 760, eux, sont sur le socket LGA 1156 comme indiqué sur la feuille, alors que le i3 3240 et 3250, eux, sont sur le socket 1155. Et bien évidemment, le Phénon x4 est dans le socket AM2+. Et donc ce sont des processeurs qui aujourd'hui font encore largement de boulot, sont tous il n'y a que le Phénon x4 qui a 4 cœurs,
et 6 coques cubes, le i5 750 et 760 en 4 cœurs, ainsi que le Phénon x4, voilà. Et par contre, le i3 3240 et 3250, lui, il n'en a que deux, mais est quasiment aussi performant. Donc, voilà, c'est à peu près l'équivalent, même s'il a moins de cœurs, il se débrouille tout aussi bien, et même peut-être un peu mieux, je crois, mais vraiment, coup à coup, quoi, c'est à quelques pourcentages près, genre 2-3%, c'est plus grand chose, pas grand chose, il me semble. Et donc avec cette configuration, 2 x 4 Go, c'est déjà un peu plus raisonnable, un peu plus utile, en vous prenant en termes de mémoire vive. De même, hein, low profil de préférence, et éviter le no-name. Et à ceci, vous pouvez cumuler, donc c'est soit la ZX 760, comme je vous ai dit, qui elle se trouve à 30 euros je crois à peu près, c'est quelque part, de toute façon j'ai un peu oublié, voilà, en 45-55 euros, oui, elle est un peu plus chère celle-ci, 45-55 euros, oui, c'est dans ces prix-là, 30 euros peut-être, je vous le souhaite en tout cas, si vous la trouvez à 45-55 euros, ça reste encore raisonnable, puisque c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il me semble, mais c'est plus ou moins l'équivalent d'une 10-50 d'aujourd'hui, hein, ce qui fait que c'est pas d'aujourd'hui, de la génération d'avant, donc c'est pas, voilà. Elle n'est pas dégueulasse comme carte graphique, elle fait encore vraiment le travail au jour d'aujourd'hui, la première. Il peut jouer sur Battlefield 1 sans trop de soucis comme vous pouvez voir. Donc c'est une version 2 gigaoctets de base, mais vous pouvez en trouver une à 4 gigas je crois. Mais bon pareil, encore une fois, ça va se sentir au niveau du prix, donc si vous trouvez une 2 gigas pas trop chère, ça suffit largement, ça vous fera l'affaire. Mais c'est pas le tout, vous pouvez prendre donc soit cette GTX 760, soit une... Ah bah non merde, je me trompe. Je suis désolé, j'avais oublié que j'avais enlevé un benchmark, parce que justement ça ne sert à rien de faire une doublette, parce que c'est la même, quasiment, elle a la même puissance, un peu comme pour la GTX 460 et la R9 360, dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin j'espère, qui sont plus ou moins l'équivalent, et qui valent plus ou moins le même prix. Mais bon, AMD a un petit plus, ce qui concerne la mémoire vive. C'est elle qui a le plus de mémoire vive, puisque la GTX 460, vous la trouverez dans entre 700 et 1 gigaoctet en termes de mémoire VRAM, alors que la R9 360, c'est dans les environs, toujours au moins 4 gigaoctet, je crois, ou minimum 2, peut-être. Bon, en tout cas, vous la trouvez voilà avec un peu plus de mémoire vive, et elle est à niveau performance, pour des performances équivalentes, voilà. Et en plus de ça, la R9 360, consomme moins et pas qu'un peu, mine de rien, elle consomme quasiment 80 watts en moins, ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, dans la première alternative que je vous ai proposée, au niveau de la carte graphique, il y a un petit avantage pour la R9 360, mais voilà, elle est un peu plus dure à trouver. En général, elle est vendue quand même plus chère que la GTX 460, mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est la même chose, c'est kiff, c'est vraiment après pour chipoter sur les détails. La R9 360 s'en sort un petit peu mieux que la GTX 460. Mais par contre, la GTX 760 et la R9 380, eh bien, ça revient un peu au même aussi d'ailleurs. Par contre, non, justement, je vais dire tout comme plutôt, parce que ça revient un peu au même, c'est un peu pour la même raison, parce que la GTX 760 n'a que 2 Go de mémoire vive, alors que la R9 380 en a 4 également. Et donc voilà, si vous pouvez trouver la R9 380, privilégiez de la privilégier à la GTX 760, mais encore une fois, c'est une question de détail. À la fin du compte, vous aurez le même jeu, les mêmes FPS à peu de choses près. Et dans le même ordre de prix, 45-55 euros pour la GTX 760 et la R9 380. Mais, encore une fois, hein, la R9 380 en général est plus elle vers les 55 euros. C'est plus elle qui est dans les 55 euros que la GTX 760, que vous pouvez trouver à 45-50 euros sans trop vous fatiguer. Mais vous voyez, c'est pas une différence très énorme non plus. 5, 10, 15 euros de différence entre les deux. Et donc 2 x 4 gigas là-dessus, ça peut faire largement l'affaire. Et puis donc oui, je suis désolé, hein, j'avais complètement oublié, je prends en fait la R9 360, je ne sais plus, parce que ça fait 3 fois que je me reprends à la fin du compte, donc je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais donc là, la GTX 760 et la R9 380 sont du pareil en même, mais à la manière de la 460 et de la R9 360, désolé pour toutes ces références, mais vous pouvez voir que voilà, ce sera un petit plus pour AMD qui possède plus de mémoire vive, c'est tout. Mais par contre, qui, voilà, en conséquence, est un peu plus cher. Donc à vous de voir, selon vos moyens et la disponibilité qui s'offre à vous. Et donc maintenant, on va pouvoir finir avec le haut de gamme de cette sélection, ce qui équivaut à une moyenne gamme en avant, je le rappelle.
Et il s'agit du i7-860 ou i7-870 qui est mêlé à une GTX 1060 ou encore une R9-290X. C'est du pari en même, toutes les deux, là c'est vraiment du coude à coude, bien plus que toutes les autres, parce que là c'est vraiment, il n'y a quasiment aucune différence entre la GTX 1060 et la R9-290X, elle consomme le même nombre de watts par heure, de l'ordre de 180 watts je crois, et elles ont quasiment la même puissance, et juste 1 giga de différence, que la GTX 1060 se trouve facilement en version 3 Go pour pas trop cher, c'est largement suffisant déjà hein, en termes de mémoire vive, et la R9-290 elle se trouve en général à 4 Go de RAM, de mémoire de RAM, et plus ou moins dans les mêmes prix. Donc après là c'est selon la disponibilité, au pire votre affiliation, c'est peut-être plus côté AMD ou côté Nvidia, mais là vraiment c'est du pari eux-mêmes, c'est vraiment les deux cartes graphiques sûrement qui se rapprochent le plus du côté de chez Nvidia, du côté de chez AMD. Donc ça cumulé avec un petit 860 i7-860 ou 870 de chez Intel évidemment, et avec le LGA 1156, et vous allez pouvoir avoir ce que vous avez à l'écran aujourd'hui, c'est à dire quelque chose d'encore de très potable et qui fait largement l'affaire et qui tient tête au PC de milieu de gamme actuel. Et donc voilà, parce que de suite on va passer sur la même chose mais avec sa version un peu plus moderne en termes de CPU, parce que là c'est le i5-2500K de chez toujours Intel évidemment, mais avec le socket LGA 1155, et là c'est un peu mon si je dois donner un conseil ultime, ça serait si vous voulez faire un PC évolutif, parmi tout ce que j'ai proposé c'est cette configuration avec le slot 1155. Enfin, pas cette configuration, mais plutôt ce slow, le 1155, qui est plus évolutif dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec le i3-3240 ou 3250 que vous paierez 10 ou 20, 25 euros, voilà, avec une petite carte mère à 30 euros, etc. Enfin, bref, vous pouvez commencer avec ce socket-là, avec un PC vraiment pas très cher, genre à 200 euros, pour ensuite, d'ici quelques temps, ils foutent un i7 une fois qu'ils auront baissé. Parce que pour le moment, je ne les ai pas mis, parce qu'ils sont encore trop chers. Mais ils sont chers pour une bonne raison, c'est qu'ils sont encore tout à fait potables pour le jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'ils seront allés à 40-50 euros, ça vaudra le coup de les acheter, en espérant que ce ne soit pas dans 15 ans non plus, mais peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, et donc ça vous permettra d'avoir de pouvoir encore aller plus loin dans le temps, d'avoir un PC qui va durer, qui sera plus à long terme qu'avec le LGA 1156, que vous pouvez déjà dorénavant maxer, puisque le i7-860 et le 870, eux, se trouvent à 30-50 euros sans trop se casser la tête. Comme vous ai dit, c'est un décalage. Pourquoi là, tout à l'heure, c'est le i7-870 sur le socket LGA 1155 avec la GTX 1060, et là, je vous montre le i5-2500K avec cette même carte graphique, parce que c'est la même configuration, puisque les deux CPU sont plus ou moins équivalents. Mais comme je vous ai dit, vu que c'est du côté du CPU, là c'est d'une génération à l'autre, c'est vraiment, là il y a une vraie différence, c'est pas simplement d'une série à l'autre, c'est simplement d'une génération à l'autre, ce qui fait que le i7 du LGA 1156 équivaut à un i5 du LGA 1155, et parfois ça dépend des générations, il y a des générations où vraiment la différence était minime, mais là il y en avait quand même une qui n'était pas forcément très grosse non plus, mais qui fait quand même qu'il y a un certain décalage d'une génération à une autre. C'est pourquoi ce i5-2500K ou 2600K équivaut au i7-870. Ce qui fait que, voilà, même en n'allant pas encore à fond sur ce socket-là, c'est-à-dire en ne mettant pas encore de i7, le CPU qui peut accueillir le plus puissant, quoi, ben vous pouvez déjà largement encore, dorénavant, avoir un PC de très, dès maintenant, quoi, d'avoir un PC de très bonne qualité, et par la suite de faire upgrade en lui mettant un i7 d'ici quelques temps une fois qu'il aura baissé. On va dire, comme je vous ai dit, voilà, c'est un peu le meilleur rapport niveau pas forcément qualité prix mais niveau longévité. Désolé, voilà, je m'y perds encore une fois, mais j'espère là où vous voulez en venir. Si vous voulez vraiment un petit PC fast-food tout de suite sans trop vous prendre la tête, qui fasse le petit boulot où il joue de temps en temps, et puis multimédia, AM2 peut faire l'affaire. Après, si vous voulez vraiment quelque chose quand même assez costaud pour pouvoir y jouer, mais vous
pensez pas le faire évoluer, vous en avez un peu rien à foutre, vous voulez un truc plus ou moins pas trop mal maintenant tout de suite et pas trop cher, et d'ici quelques temps vous allez vous en monter un neuf avec du matériel récent, voilà, pour l'instant au moins vous aurez ça sous la dent. Et ben, le LGA 1156 peut faire largement l'affaire. Par contre, si vous préférez vraiment là vous dire ah, je vais faire un petit PC maintenant, je vais commencer petit, mais je vais vraiment après le maximiser à fond en mettant le meilleur CPU, tout ça que la carte mère peut supporter, et ben dans ce cas-là, c'est le 1155 qui sera la meilleure solution. Donc c'est pour ça que je dis, essayer de faire en sorte que ça puisse convenir à peu près à tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Et c'est pour ça que j'ai pris pas mis 15 000 sockets et 15 000 CPU. Je me suis concentré sur 3 sockets avec plusieurs CPU qui vous permettront d'upgrade par vous-même. Parce que vous pouvez commencer avec un petit Athlon x2 250 sur le AM2, puis après le Phénom x4 155, ok. Vous pouvez faire de même avec le LGA 1155 avec le i3 3240, puis après le i5 2500, ok. Et vous pouvez aussi faire de même avec le LGA 1156 et le i3 540, le i5 750 et le i7 860. Et voilà, vous avez comme. Avec chacun des sockets, là vous pouvez commencer avec un petit CPU qui coûte rien et finir avec un truc un peu plus costaud par la suite. Une fois que vous aurez plus de moyens, vous aurez revendu ce qui ne vous sert plus, votre CPU. Parce que n'hésitez pas à revendre, tout se revend, tout s'achète sur eBay. Il y a des acheteurs et des vendeurs pour tout. Le marché de l'occasion de l'informatique n'est pas mort, loin de là. Franchement, et tant mieux, parce que sinon ça ferait quand même beaucoup de choses achetées qui en plus, voilà, encore une fois, peuvent largement suffire pour certains qui. Ce qui nous vaut n'est pas forcément mieux. Voilà, parce que comme je vous ai dit, là, vous prenez cette configuration avec le i5 2500K et cette GTX 1060, vous avez l'équivalent de ce que vous avez dans le commerce à 700 €. Et par contre, ce ne sera pas avec un i5 2500K, mais il sera avec un genre un Ryzen 1300 ou 1200X, mais qui sera l'équivalent en fait. Sauf qu'il est plus récent, ok. Mais c'est l'équivalent de ce i5 2500K en fait. Il fait la même chose. Vraiment à quelques pourcentages près, et même parfois c'est l'avantage aux anciennes générations. Tout dépend, comme je l'ai dit après. Parce que même un i7 d'il y a 5 ans maintenant est probablement encore plus puissant qu'un i3 d'aujourd'hui. Ou au moins au tête à tête. Enfin, du meilleur, parce qu'après c'est pareil. Il y a des i3 d'aujourd'hui qui sont tout pourris, comme il y avait des i7 d'hier qui étaient pas terribles aussi. C'est pareil. Encore une fois, c'est un peu compliqué. C'est comme dans les voitures, les numéros de série, les ceci, les cela, on s'y perd. C'est un technique, quelque part. Vous voyez ce que je veux en dire. Il y a le fréquence pas de rafraîchissement, mais plutôt la fréquence d'exécution qui est prise en compte, le Hertz. Mais aussi le cœur. Puis après, il y a les trides. Parce que il vaut mieux avoir 4 cœurs et 8 trides que 4 cœurs tout court et 4 trides, quoi. C'est bien d'avoir ce genre de choses-là. Enfin, voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que votre CPU est plus intéressant qu'un autre. Même si, par exemple, lui c'est un i5, mais l'autre c'est un i7. Alors que pourtant, c'est le i5 qui est plus puissant parce qu'il est mieux optimisé quelque part. Il y a aussi un argument commercial derrière, il y a plein de choses qui font que, voilà. Je dis pas que c'est forcément fait pour embrouiller les gens et les arnaquer, mais on va dire qu'ils cherchent pas forcément non plus à faciliter les choses, que ce soit aussi à la portée de tout le monde de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, bref, c'est un peu comme pour les voitures, pour ceux qui connaissent, hein. Vous voyez, c'est qu'on connaît pas une voiture, on peut se retrouver à acheter une petite voiture, aller à 2 000-3 000 €, on se dit ouais, ça c'est pas trop cher, mais on se rend compte qu'en fait, à la fin du compte, cette voiture-là, elle en valait même pas 1 000. Pourtant, elle n'est pas dégueulasse, hein, pour autant, mais c'est juste parce que bon, on n'a pas capté, on s'est fait avoir. Peut-être qu'elle n'était pas si vieille que ça, mais qu'en fait, elle est d'une série ou d'un modèle tout pourri que personne n'aime parce qu'il consomme trop ou parce qu'il y a un défaut de fabrication quelque part, et donc c'est un truc qui vaut plus rien en fait, quoi. Mais sauf que vous, vous n'étiez pas au courant, vous l'avez trouvée belle, elle faisait un beau bruit, elle était assez neuve. Bon, voilà, vous êtes fier à l'apparence quelque part et à la marque qu'elle portait pour vous dire que ça pouvait être que bien. Mais en fait, pas forcément. Il y a ça partout, dans tous les business, mais c'est que voilà, la voiture, je pense que bien la voiture, c'est peut-être celui qui parlera le plus aux gens. Et donc, pour tout ça, parce que c'est bien beau, hein, je vous ai dit, oui, il faut une carte mère, ensuite CPU et GPU, là, c'est ce qu'on a vu ensemble pendant ces quelques minutes, mais là, je vais vite fait, avec les RAM aussi, je vous ai parlé des RAM, de barres de mémoire,
Mais il faut aussi pouvoir. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir faire un PC. Là, vous avez le plus important. Mais après, il faut tout de même un disque dur, un graveur et autres. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite pour terminer cette vidéo. Et donc, ce qu'il vous faudrait par exemple, ça serait genre, bon, un petit Théo Seagate. Je vous conseille Seagate, mais après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais évitez surtout pas le Noname. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y en ait vraiment dans les disques durs. Ça coûte, en un Théo, ça coûte pas très cher. Neuf, vous en avez pour 40-50 euros. D'occasion, vous pouvez en trouver à 20 euros sans trop vous prendre la tête. Voilà pour le disque dur. Prenez bien en SATA, hein, évitez de prendre en IDE, parce que si vous trouvez un truc à 5 euros en IDE, en général, vous n'aurez pas de 1 Théo en IDE, mais vous pouvez en trouver un 500 gigas. Mais prenez pas IDE, c'est une vieille connectique. Pour ce qui se concerne, ce que vous aimez ici, ce sera du SATA. Pareil pour le graveur, hein, SATA. Et les graveurs DVD, de même, c'est 20 euros, ou 10, 20 euros 9, ou une petite dizaine d'euros, voire moins d'occasion. Donc voilà, après à vous de voir, selon les prix, selon ce que vous trouvez, la disponibilité et votre patience aussi. Parce que je me dis, il ne faut pas hésiter à attendre parfois, de trouver la bonne affaire, des stockages, enchères, ce que vous voulez. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Ensuite, au niveau du ventilo, si vous n'avez pas un ventilo CPU déjà présent quand vous achetez votre CPU, parce que parfois on peut vous l'offrir avec, ça va être souvent par contre. Le ventilo d'origine vendu avec le processeur, c'est vrai que c'est pas très efficace, mais c'est toujours ça, c'est mieux que rien, donc c'est bon, pas besoin de prendre la tête, ça suffira. Mais si vous n'en avez pas, prenez le ventilo de chez Arctic, le dénommé Freezer 12, qui se trouve entre 20 et 40 euros, encore une fois 20 euros le prix d'occasion, 40 euros c'est le prix du neuf. Donc après à vous de voir, et ça vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de ventilo. C'est vraiment le conseil, le meilleur que je peux vous conseiller. J'ai pas mis d'autres alternatives parce que pour ma part, il n'y en a pas. Ensuite, c'est le boîtier ATX ou micro ATX selon la carte mère que vous avez sélectionnée, donc que vous avez acheté. Parce que je vais préciser, il y a plusieurs formats, mais bon, je pense que ça, après, vous allez le deviner, l'apprendre. Mais bon, prenez bien garde à prendre le boîtier qui correspond au format de votre carte mère, sinon vous allez être dans la merde. Et donc, pareil, c'est entre 20 et 40 euros. Bon, conseil, évitez de prendre du no-name. Un peu à la manière des cartes mères ou même encore des cartes des barrettes de mémoire, privilégiez si possible des stockages et prenez des tours qui ont été vidés, qui ont été vendus parce qu'ils ont vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, cartes mères, etc. Puis du coup, ils vendent la tour telle qu'elle et ça va être des tours bureautiques parfois, des trucs administratifs. Vous allez trouver des tours voilà, Dell, HP, etc. Qui sont vraiment de très bonne qualité et c'est beaucoup mieux de prendre ça à 20 euros que d'acheter un truc neuf à 50-60 euros. Pourquoi pas, mais voilà. Vous aurez la même chose mais pour 20 euros. En tout cas, c'est beaucoup mieux que d'acheter du no-name ou du Advance à 30 euros neuf, là, entre les gammes, boîtier, micro-ATX, à 30 euros par exemple, les neufs, ils sont d'une qualité toute pourrie, ça va vous rester entre les mains. C'est vraiment pas à conseiller. Donc je vous déconseille totalement le no-name pour les boîtiers, ainsi que pour évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus c'était pourquoi, vous pouvez éviter le no-name, mais on va dire les cartes mères aussi, c'est sûr. Et aussi l'alimentation, parce que l'alimentation, bah, c'est important également. Donc je vous conseille au minimum 350, déjà au moins pour le PC de 150-200 euros, là le premier entrée de gamme. Celui-ci, pas besoin d'avoir une alimentation. Un petit 300-350, ça fera largement l'affaire. Vous pouvez vous en contenter. Après, pour le PC à 250 euros, c'est-à-dire le milieu de gamme de cette présentation, je vous conseille davantage du 450, si possible, pour être tranquille. Après, bon, pour le PC 250-300 watts, là, je vous préconise au moins un bon petit 500 watts pour être pépère. Histoire de voir venir et au cas où sur ton son quoi que ce soit que vous pouvez faire face et surtout là mais surtout éviter du no name. Vaut mieux une alimentation Intel HP ce que vous voulez, il y a même Asus qui en fait, enfin tout le monde en fait des alimentations que à genre à 350 watts que une no name à 500 watts hein, parce que même pas, ça sera après même pas du 250 watts quoi. Enfin, ouais, ça, c'est une arnaque, il faut éviter. Enfin, il y en a peut-être des biens, mais il vaut mieux éviter, c'est un petit peu trop risqué parce que si ça vous fait tout griller, vous allez tout perdre. Et donc voilà, une alimentation des mêmes, évitez le no-name, prenez les déstockages. Vous trouvez pareil comme pour les châssis de PC, hein, les boîtiers, vous allez trouver des alimentations de très bonne qualité
faits pour la bureautique à la base, mais qui suffiront largement pour le gaming, de Dell, de Intel, d'HP et autres. Et voilà, vous en trouvez de 400, 500, 550 watts, ce qui suffit largement et pour des prix raisonnables, 20-25 €. Sinon, vous pouvez pousser, comme là, à 40 € pour en trouver à 40-45 €. Je crois qu'on peut avoir une Corsair 400 ou 450 watts neuf sur genre Cdiscount ou ailleurs. Ce qui fait que voilà, si vraiment vous ne trouvez pas de choses intéressantes au niveau de l'occasion, bah, allez plutôt de cette, dans cette direction. Tout comme pour le graveur hein, également, comme je vous ai dit. Si vous ne trouvez pas un truc au moins à la moitié du prix du neuf, allez chercher du neuf parce que c'est pas ce qui vaut le plus cher. Pareil pour le graveur. Et sinon, pour le reste, vous pouvez vous contenter de l'occasion. Largement, de toute façon, vous trouverez. Alors, hormis les cartes mères toutes pourries no name, vous ne trouverez pas de neuf en carte mère sur le LGA en 55 ou 56 ou même le AM2, etc. C'est fini, c'est plus en construction depuis très longtemps. Celles qui sont en construction le jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils ont été en construction, je pense qu'ils ont pris des vieilles cartes mères, qu'ils ont essayé de les rénover, enfin je sais pas trop comment ils sont débrouillés, mais j'ai pas essayé. Mais quelque chose me dit que c'est de la merde. J'ai plus confiance quand même aux marques voilà, Intel et HP, etc. Enfin, qui étaient faits peut-être il y a 5-10 ans, qu'on a un certain âge derrière elles, mais qui fonctionnent toujours, que des trucs qui n'ont peut-être jamais fonctionné encore, mais justement. Qui sont, voilà, je sais pas. Bref, à vous de voir. Dites-moi si jamais vous avez pris une carte mère sur Cdiscount ou ailleurs qui était vendue une 50aine d'euros et qui était neuf mais qui était fait pour un socket, un vieux socket, genre une no-name quoi, comme on dit les no-name, hein, c'est ça, parce que c'est un truc no-name dans le sens qu'il n'y a pas de marque, c'est ni Asus, ni Gigabit, ni quoi que ce soit, mais c'est présenté comme étant neuf, et par contre c'est un prix défiant toute concurrence, parce que c'est quasiment le prix de l'occasion. Et, voire au pire un peu plus cher, mais c'est pas cher quoi, pour ce que c'est quelque part. Sauf que voilà, je sens un peu l'arnaque derrière tout ça, mais j'ai pas testé. Parce que bon, j'ai pas 50 € à fouiller dans le vent comme ça, à acheter en l'air, et en plus après c'est pour griller les composants que je vais mettre dessus, ça m'intéresse pas trop. Mais je vous le déconseille. Après, je peux me tromper, mais dans ce cas-là, à vous si vous avez déjà fait le test, bah, à vous de nous le. De nous en informer, je perds mes mots. Et donc je vais m'arrêter ici. C'est terminé. On a vu et revu tout ce qu'il y avait à présenter. Dernier conseil, pas de thermique, Noctua NTH1. Meilleur rapport qui a été pris. Tout comme pour l'Arctic Freezer 12, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux en termes de pas de thermique. J'ai même pas mis une autre alternative parce que pour moi, il n'y a pas photo. Qualité prix, c'est le meilleur rapport. Enfin, c'est le meilleur rapport, tout simplement. Après vous allez payer 10 € de plus pour refroidir à peine 1 degré en plus. Et bon voilà, après tant qu'on fait pas des trucs ultra poussés en overclocking, le Noctua NTH1 et même, on peut en faire quand même, mais suffit largement. Mais il suffit largement, pour moi c'est le meilleur rapport qui a été pris. Après c'est trop cher pour ce que c'est en fait, pour le peu de différence qu'il y a. De mon point de vue, après chacun fait comme il veut, mais au moins je vous conseille ça. C'est pour ma part, en tout cas comme je vous ai dit, tout ce que j'ai eu ici, et ben, c'est passé dans mes mains et je l'ai testé. Et donc je sais de quoi je parle, c'est pas juste au pif comme ça, j'ai regardé, je sais que voilà, ça consomme tant, ça fait ta, et ce qui fait que je peux vous donner une certaine estimation, aussi bien au niveau du prix que de la consommation, que même de la puissance en elle-même, quelque part, la puissance brute de ces choses, et de ce que ça vaut, voilà, et si ça vaut le coup ou non. Et moi je vous dis que ça vaut le coup, mais après c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à jouer à Red Dead Redemption 2 en 60 fps avec les deux premières configurations. Avec la dernière, il y aura peut-être moyen. Mais par contre, vous y jouerez pas en ultra. Vous y jouerez genre en mode normal, moyen, en 60 fps, en 1080p, ce qui est déjà pas mal. Avec une 1060 et un i5 2500K, c'est déjà quand même pas mal pour un truc qui date quand même d'un certain temps. Et après, si vous augmentez votre carte graphique, là vous pourrez pousser un peu plus. Parce que c'est avant tout c'est ce qui est sollicité pour les jeux vidéo, mais il faut quand même avoir un bon processeur. Ça sert à rien de prendre un Pentium 3 qui a 20 ans par exemple, ou je sais plus moi, mais bon. Un truc vieux avec une RTX 2080, ça sert strictement à rien. Il faut quand même que ce soit un minimum équilibré, même si pour les jeux vidéo c'est quand même la carte graphique qui est plus importante, mais pas que. Bon, elle travaille pas toute seule non plus, elle travaille avec le CPU.
Donc il faut que celui-ci suive quand même un minimum. Sinon, on peut la retarder et la brûler. Ce qui fait que le 280 va se transformer en GT ou 1800. enfin voilà, j'ai oublié un petit peu les noms de l'époque, mais donc, bref, vous voyez où je veux en venir. Et sur ce, je vais terminer ici. J'ai tout fini. J'espère que ça vous aura plu un minimum. Je suis vraiment désolé pour le temps que ça aura pris. Sachez que c'est la première fois que je m'y reprends. Donc je vais essayer d'abréger. Je vais essayer surtout pour les prochaines de faire ça un peu mieux, de mieux prévoir, de mieux écrire. Et voilà. Mais bon, là au moins j'espère avoir les retours qui me diront si c'était pas mal, si ça vous plaît. Et voilà. Et puis c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et bon jeu à tous et bon bricolage.